économie. Nabila, bonjour. Bonjour Hakim Bey, bonjour à tous. Nous en parlions hier, la maîtrise de l'inflation pour la réduire à 4%, un objectif et un défi auquel croit le président de la République à moyen terme. Oui Hakim, pour les experts, pour y arriver, il y a de nombreux outils de gouvernance à actionner. On parlera de la masse monétaire, du contrôle de la dépense et de la coordination des secteurs. C'est l'avis en tout cas de l'économiste et expert en finance Nabil Jamaa. On l'écoute, il est au micro de Hakim Akamel. Il faut aller vers le contrôle de la masse monétaire. La Banque d'Algérie utilise des instruments tels que les coefficients de réserve obligataire et les opérations de marché pour limiter la croissance de la monnaie en circulation et freiner l'inflation d'autre part. Et dans un autre contexte, le président de la République a souligné l'impératif d'avoir recours à des systèmes technologiques dans le domaine agricole pour avoir des statistiques et des données fiables et précises. Et le numérique peut en ce sens contribuer justement à renforcer la sécurité alimentaire du pays avec un contrôle qui encourage davantage la transparence. Younes Grar, expert en TIC, en parle à Samir Alloun. Dans le domaine de l'agriculture, on peut avoir des données sur la consommation des citoyens, tel ou tel fruit, combien la terre elle consomme d'eau, l'humidité, la température, les engrais, etc. Et sur la base de ça, le décideur peut prendre les décisions qu'il faut. Autre info, l'Algérie qui envisage désormais de se lancer dans l'industrie de la téléphonie mobile. Oui, et plus particulièrement dans la fabrication des smartphones localement. Dans une démarche qui vise à dynamiser l'économie nationale et à promouvoir l'industrie locale, les ministres de l'Industrie, Ali Aoun, celui de la Poste, de la Télécommunication, Karim Bibitriki, ainsi que celui du Commerce, Tayyip Zitouni, accompagné du président du CREA, se sont réunis avec les principaux acteurs du secteur de la téléphonie mobile en Algérie. L'objectif est d'explorer les moyens de développer une industrie de fabrication de téléphones intelligents locaux tout en assurant la protection de leur système, combattre le marché parallèle et réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations. On écoute à ce propos Ali Aoun, le ministre de l'Industrie. Le volet smartphone va connaître pratiquement son issue suite à des décisions qui vont être prises par les hautes autorités du pays. Nous allons présenter un dossier qui va comprendre la manière dont on doit lancer cette industrie qui existait. Ce n'était pas de la fabrication, c'était de l'assemblage. Nous avons réuni les principaux opérateurs qui fabriquaient et qui produisaient les smartphones. Nous les avons écoutés, nous avons pris avec soin toutes leurs préoccupations. Ces préoccupations vont nous permettre d'élaborer le dossier qu'on doit présenter à M. le Président de la République. Et Hakim, si on devait parler d'assemblage, le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, parle de 20 000 postes d'emploi qui pourraient être créés. Mais au sujet du développement de l'industrie de la téléphonie mobile, cela permettrait, selon le ministre, de créer 50 000 emplois directs. On l'écoute. Rien que l'assemblage va permettre de créer 20 000 emplois environ. Direct. Vous avez après tout l'aspect commercialisation, distribution, petites boutiques et ainsi de suite, l'équivalent. Cette activité, si on la reprend le plus vite possible, ça va nous permettre de créer autour de 50 000 emplois au total. La volonté est là plus que jamais. Moi, je me suis lancé des défis vis-à-vis de moi-même, puisque M. le Président de la République il m'a donné tout l'appui, il m'a fait confiance. Je ne céderai pas d'un pouce sur les domaines pour lesquels je peux apporter un plus. Et toujours dans l'industrie, on parle d'une centaine d'opérateurs pour la fourniture, cette fois-ci des composants pour l'industrie automobile. Et c'est toujours Ali Aoun qui l'annonce. Une centaine d'opérateurs locaux sont en train de se positionner dans le domaine de la sous-traitance pour devenir des fournisseurs des industries automobiles dans différents domaines d'activité. Il a cité notamment les constructeurs Renault, Fiat et Soprovi, dans la construction de camions de marque Volvo. Il précise que le ministère de l'Industrie a adopté une stratégie d'accompagnement aux sous-traitants. Voilà, c'est tout pour moi, Hakim Bey, ce matin. Merci, Nabila Hussein.